toutes et à tous. Aujourd'hui, en fait, on vous propose une vidéo dégustation du site japonais Candy-san. Donc, en fait, je vous présente Balou. Il va m'assister, donc soyez un petit peu indulgents avec lui, parce que c'est sa première vidéo. Donc voilà. Donc, on va commencer par le salé. En fait, la vidéo sera coupée en deux parties. Il y aura une partie salée, une partie sucrée, parce que c'est une grosse commande. D'ailleurs, je l'ai reçue en deux cartons bien distincts. Donc voilà. Alors, nous allons commencer. On va pas se louper. Commencer. Alors, donc j'ai pris la peine de vous mettre, enfin de mettre un post-it avec les prix pour vous dire à chaque fois combien cela coûte sur le site et ce que c'est en termes de goût. Donc là, en fait, on a des crackers légumes. Donc ils coûtent 0,87 centimes le paquet. Alors, allons-y. Vous n'en piaffez pas. Vas-y. Oh non, parce que j'ai vu des vidéos, il y a des gens qui piaffent, c'est pas possible. Alors. Bah déjà, tu es super pessimiste. Oh, c'est petit. Ouais. Donc c'est aux légumes. 1, 2, 3. Non, oh, c'est wasabi. En fait, c'est pas trop légumes, c'est wasabi. C'est vachement bon. C'est bon, ça. Mais ça pique. Mais oui, mais c'est bon. Ah oui, mais oui, croyez-moi. Non, c'est wasabi. Ah non, légumes, j'adore. Mais alors, je savais plus, c'était... Bon, je sais plus, en fait, j'avais mis dessus, mais je me rappelais pas. Non, c'est bon. C'est bon, ça. Sans l'envers. Tiens, c'est des légumes, grossement. Ouais, donc là on a trois légumes, donc pareil, hein, le prix c'est 87 centimes aussi. Attends, ouais, je croyais que c'était ça, mais enfin bref, c'est petit pot, j'avais plus. Déjà, ça a cassé un peu pendant le transport. En tout cas, ça vient du Japon, donc on va pas trop se plaindre. Et je fais un bruit de tonnerre en plus. Ça, c'est pour ouvrir. Bah, c'est sympa. Tiens. C'est quoi ça? Trois légumes. Trois légumes, il y a trois couleurs différentes. Tu vas mettre tout dans la bouche, tu t'apprécies même pas. Mais non, on en prend un. Tu sauras pas. Et vert, ça a pas de goût. Mais rouge, pas trop non plus. Mais c'est pas mauvais. Ça a pas de goût. Mais c'est pas trop salé au moins comme ça. On a des yeux. Parce que toi, tu me dis que c'est salé et tout. Ah bah, ben, ça n'a pas de goût, non, mange pas. Attends, moi j'ai pas goûté les trois couleurs. Non, à mon avis, tu t'es trompé avec l'eau. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça n'a pas trop de goût, mais c'est pas mauvais, hein. C'est plus ce galette de maïs. Tiens. En fait. Il a un mauvais arrière-goût, en fait. Oui, c'est dégueulasse, quoi. Non. Alors, ça c'est. Ça c'est craquard sur légumes. Oh, légumes aussi. J'en avais pris deux, il y a de légumes et trois légumes. Voilà. Oh, bah ils ont une mauvaise tête ceux-là. Ça fait genre. C'est des mini belins. Ouais, c'est un petit peu, je sais pas si vous verrez bien. Ça vient sous cet aspect-là, ouais, c'est des mini belins. Moi j'aime pas trop, donc j'espère que je vais pas être déçu. C'est sec. C'est pour ça que j'aime pas les mini belins en fait. J'ai prévu la bouteille d'eau si t'as besoin. Oh, c'est sec. C'est pas à mon goût, mais c'est pas mauvais. Hein. Ouais. Ça va, on n'est pas encore tombé sur des trucs où. Non. Alors, ça, c'est censé être au petit poids. Donc, pareil, toujours le même prix, 87 centimes. Il n'y a pas que ça non plus hein, dans les paquets. Hein, donc, je vous rassure. Mais bon, ça va, pour l'instant, on n'a pas eu de surprise trop. C'est cassé, mais bon, c'est pas grave. Ah, bah c'est comme les autres. Non, c'est petit pois. C'est sûr. Pour oui. Vos amis. Ça se sent. C'est plutôt pas mauvais. J'aime bien. C'est bon. Mais ça va. Petit pois, c'est pas mauvais. C'est un peu lui, je prends pas les piments tout de suite. Bon, tu te manges. Alors, ça, c'est dit. Ça, c'est des gâteaux apéro au beurre à 94 centimes.
Oignon. Non, genre, j'ai du mal. Oui, je pense que tu seras plus la même que moi. Ouais. Si tu veux, j'ai des verres de ciseaux aussi. Attends. Yo. Tu veux? Non. Si, vas-y. Non. Oh, c'est pas grave. Ils vont rigoler, là. C'est pas grave. C'est pour. Voilà. Oh, mais y'a rien dedans. On va s'y casser. Non, y'a rien dedans. Y'a que vos baguettes. Ouais, voilà. Donc, on vous montre un peu, c'est pas. Bah, y'a pas grand chose. Ah, ça sent le beurre, hein, la vache. Très bon pour le régime. Ah, oui. Non, ça va. Ah, ça sent le beurre. Comment j'en ai deux pour qu'on a qu'une? Parce que je suis plus gros, c'est pour ça. Ouais, j'aime pas. J'aime pas. Quand même. Ouais, pas de gaspillage. On n'aime pas, mais on le mange quand même. Bon. Ça, c'est aux oignons. Les prêts au. Leur vie, c'est ça, les prêts au beurre, pas top. Hein. Non. Alors, ça, c'est à l'oignon. Non. Ça coûte 1,02€ et c'est pareil, c'est les prêts. Oignon. Donc comme des. Ah, c'est pareil, bon. Mini bretzels, tu sais, les bretzels antiques. Hein. Donc toi, tu prends deux qui sont précaires. Ça sent l'oignon. Oh là là, ça. C'est bon, ça. Ça, tu flingues de la bouche avec ça. Je préfère ça que les autres. Ouais, moi aussi. C'est meilleur. C'est pas mauvais. C'est bon. Oignon, c'est bon. Tiens, pour que j'ai encore plus ça de goût. Ça me rappelle un petit peu. Ouais. J'ai pas fini de parler, c'est une gamette. Un peu les Pringles, tu sais, à l'oignon. Ça va être meilleur. Camembert. Hein. Donc, c'est gâteau apéro camembert à 1,49€. Y'a un rasoir d'oignon, c'est nickel. Tout pour sentir bon, quoi. Oh, ça va, il y en a quand même relatif. Ah, il y en a, ça va. Oh, moi, ça sent pas le camembert, moi, je trouve. Oh, si. Ah bon? Ça pue le camembert. Moi, je trouve que ça sent l'emmental un peu pâté, tu sais. Ah, il y a un goût après quand tu le manges. Tu sens quoi? Sur la langue, tout ça. Oh non, c'est bon, mais. Moi, oh, c'est bon. Ça. C'est bon, vraiment. Alors ça c'est les mêmes, mais c'est à la crevette, 1,45€. Donc je vous dis qu'on a fait un big haul, on a fait un big haul. C'est mon verre. Hein. Crevette. C'est pas ça. Ah. J'aime pas. À la caméra ça va être horrible. Mais ça va plus l'enfant. Alors au début j'étais pas un, après j'ai passé à deux, et là c'est à trois, super. Alors? On sent bien le goût de la crevette. Non? Ouais. C'est même plus. Ça sent plus le crabe que la crevette. Moi, tu les manges grand parce que moi, je suis pas fan. Bon, moi, je suis pas très fan, mais c'est pas mauvais, hein, non plus. Ça pique. Non, je sais pas si ça pique. Non, ça va, ça pique pas. Alors, ça, c'est les crackers au beurre aussi. 1,09€. Faut le boire. Faut le boire. Non, non, pas le droit, c'est interdit. Mais en vrai, elle fait pas trop de bruit, quoi, c'est tout. Alors, c'est des fritella, un peu. Ça sent pas le beurre comme ceux de tout à l'heure, en fait. Insipide. T'as un peu de goût. Voilà. Et ça, c'est au fromage. Donc 1,09€ aussi. Non, c'est au quoi? À la pomme de terre. Goût pomme de terre. Fromage. Non, c'est marqué goût pomme de terre, regarde. Oh, j'en sais rien, on verra bien. En fait, elle a marqué les prix, c'est même pas ça. Allez, ça, tu sais lire, c'est bien. Pas au fromage. C'est pas la pomme de terre rendue. Ça n'a pas de goût. Ouais. C'est à la pomme de terre quand même, hein. Quand même. Mais
Par contre, c'est hyper croquant, donc pour les gens qui aiment le croquant, pas de problème. C'est vraiment. Alors, ça, c'est les. Ah, pommes de terre, toi. Les quêtes apéro, pommes de terre aussi, ouais. C'est j'ai bien. Pourquoi ces autres, je ne laisse pas là. Un peu de cul, j'ai peur que tu te blesses. Non, c'est bon. Après, tu vois, oui, c'est le piment. Alors, c'est des toutes petites. Oh, bah, alors là, ouais, c'est des petites frites, hein. Vraiment, tu iras pas loin avec ça. Hein. Des petites pommes de terre, des lamelles de pommes de terre. C'est pas mauvais, ouais. C'est pas mauvais, moi j'aime bien. Faut pas trop faire les pommes de terre. Donc, 0,91 centimes. Voilà, beaucoup moins bien rigolé. Mais disons que j'allais, alors je goûtais un petit peu, mais voilà quoi. Donc je vais éviter pour le bébé, éviter que ça soit trop. Non, mais il est pas fort celui-là. Il a deux piments. Il a trois piments. Donc ça, c'est des gâteaux apéro en stick épicé force 3 sur 5. Et ça coûte 1,02€. Voilà. Alors on va voir ce que ça donne. Je la laisse goûter en premier. Donc ça va, c'est petit au moins. Oh, c'est bon. J'aime pas, ça a pas de goût. Ouais, ça pique un peu, ouais. C'est pour en mettre deux dans la bouche pour que ça pique. Non, mais. C'est pas mauvais. Ça a pas de goût, quoi. Ça pique, c'est oui, ça pique un petit peu. Tiens. Mais ça. Alors là, il y a plusieurs. Il y en a plusieurs dedans en fait. Et il y a des apéritifs épicés, trois forces en fait à l'intérieur. Ça coûte 1,16€ et il y a la force. La petite force, la force 1, la force 5 et la force 3. Donc il y a trois couleurs. Donc je vais voir si les couleurs correspondent dans le packaging. Oui, donc il y a bien trois couleurs avec trois tailles différentes. Donc le V1, c'est le petit, donc c'est vrai que bon, c'est tout petit. Hein. Pipi-choc. Ça pique pas, ça n'a pas de goût. Voilà. Le jaune, c'est le 2. Le jaune, c'est le 2. Non, c'est force 3. Mais non, mais c'est le deuxième... Ah, c'est le deuxième, vas-y. C'est pareil. Oh non, ça pique un peu plus quand même. Bon. Si, ça pique un peu plus quand même, je le sens. Léger. Et le rouge ? T'en prends un quand même ? Ben, on verra bien. Moi, j'en prends deux. C'est tout, non ? Je vais bien essayer. Ce sera pas pire que les bonbons piments qui t'ont fait. qui t'ont rendu malade. Bon, on va essayer. Non, ça va. Ça va. Si, ça chauffe un peu, là. T'en as pris qu'un. Ah, c'est chaud. Non, ça va, c'est bon. C'est bon, mais c'est chaud. Ben, vu que c'est force 5 aussi, celui-là, je te le laisse. Hein. Ça chauffe. Je te le laisse, celui-là. Ah ouais, il faut le donc, celui-là, c'est bien 1,16€. Et là, ben, c'est les mêmes, en fait, que les... Ça chauffe. Que les force 5 qu'il y a ici, mais c'est un paquet pour lui, parce que, étant donné qu'il aime bien épicé, ben... Celui-là est à 94 centimes. Donc c'est des épicés force 5. Voilà. Je te laisse profiter. Donc ça ressemble à ça. Hein. Les petits anneaux. Ça donne à plus 5 en même temps de du beurre. Ça pique moins que les autres. C'est vrai? Ouais. Moi, j'irai pas tester, mais je te fais confiance. Ça pique moins. Mon fils qui essaye de. Qui me dit, non, je veux tester. Mais c'est bon quand même. Bon, t'es pas déçu? C'est pas déçu. Bon, alors, pour le bilan, on peut dire que pour l'instant, le salé, on n'est pas trop déçu quand même. Ça va. Non, ça va. Au niveau chips, bon, rien de particulièrement différent de ce qu'on trouve en Occident. Donc bon, on n'est pas non plus tombé des nues hein, sur les saveurs.